Ce mercredi, la commission de discipline a pris des premières décisions concernant les chants polémiques durant le choc PSG-OM. Que ce soit les chants homophobes entendus dans les tribunes du Parc des Princes, mais aussi les chants insultants des joueurs parisiens contre les Marseillais, la rencontre PSG-OM, qui n'a souffert d'aucune polémique sur le plan sportif, fait beaucoup parler depuis. Au point que le gouvernement est lui-même monté au créneau pour que des sanctions tombent. La commission de discipline de la LFP n'a pas mis longtemps à trancher, annonçant hier mettre le dossier des chants homophobes en instruction tandis que les quatre joueurs parisiens Dembélé, Kolo Muani, Kurzawa et Hakimi ayant insulté les Marseillais sont tous convoqués la semaine prochaine. Dans les colonnes de l'équipe, le président de la commission Sébastien Deneux s'est expliqué sur ce premier verdict. La commission a été saisie par des rapports d'officiels, en l'occurrence les délégués, qui font état de chants à caractère homophobe et de propos de certains joueurs qui peuvent être qualifiables d'injurieux et grossiers. Sur cette base, on a décidé de convoquer les quatre joueurs concernés et le club pour la prochaine séance, le 5 octobre. Il y a des règlements. Cela va aussi dépendre du contexte dans lequel les propos ont été proférés et aussi des actions du Paris SG en amont et post-incident. Ensuite, la commission de discipline prendra ses responsabilités. Selon l'équipe, les sanctions pour les joueurs devraient osciller entre un match ferme ou avec sursis, si la réponse des joueurs et du PSG à ces dérapages est jugée suffisante ou non. Concernant les chants homophobes, on se dirige très probablement vers une fermeture de tribune pour un futur match au Parc des Princes.